Bonjour, bienvenue sur la chaîne FRCX sur Gonohem. Nous allons récupérer les graines d'une très belle tomate pour réaliser notre plan l'année prochaine. Voilà, donc vous récupérez la plus belle de vos tomates. Veillez bien que ce ne soit pas des hybrides. Hein. Et donc nous allons tout simplement la couper, voilà, la couper comme ceci, on voit toutes les graines à l'intérieur, voilà, nous allons récupérer tout ce qui est à l'intérieur avec le plus de graines possible. Tomate, on peut toujours bien sûr la manger. Voilà. Bon, il y a toujours un petit peu de chair avec, mais c'est pas grave. Voilà. Bon, maintenant, on peut y ajouter un tout petit peu d'eau et nous allons laisser fermenter. Ça va fermenter pendant, vous laissez pendant 3 jours. Vous allez avoir une petite fermentation comme ça. Et au bout des 3 jours, vous n'avez plus qu'à passer vos graines à l'intérieur là, de ce petit tamis. Voilà. Voilà, elles sont passées. Maintenant, je vais les passer sous l'eau. Alors voilà, une fois que c'est passé sous l'eau, bah, vous obtenez donc vos graines. Là, il n'y a pratiquement plus de chair. Il ne reste plus qu'à les laisser sécher sur un petit papier. Voilà, à la maison pendant les 2 jours. Et ensuite, vous pourrez mettre ça dans un genre de petite enveloppe. Et vous mettez la sorte de tomate que c'est, bien sûr. Voilà, mais avant d'obtenir ça, bien sûr, il faut les laisser 3 jours dans l'eau jusqu'à une très légère fermentation. Là, et ensuite, vous pourrez le passer au petit ami. Hein. Je vous remercie. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur mes vidéos. Merci à vous tous, à bientôt. Alors le mois d'août, c'est le moment fin juillet, le mois d'août tout simplement, c'est l'époque des prunes. Voilà, je vous présente la belle de Louvain, très grosse prune, excellente. Alors comme vous voyez, très grosse prune, voilà, et un petit peu bleutée là. Et très très délicieuse, très savoureuse, très très sucrée, la belle de Louvain. S'effondrer comme ça, puis